Il a sacrifié son fils pour la célébrité, pour l'argent et tout. L'histoire m'était racontée par un de mes abonnés. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire à raconter, une histoire mystique bien sûr, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. Tu peux envoyer ça par note vocale sur WhatsApp. Voilà, donc je vais vous laisser écouter l'histoire et on se reprend après pour le commentaire de la fin. Laissez-moi vos impressions en commentaire, surtout laissez un like. Et si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Voilà, écoutons l'histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté. J'espère que tous autant que moi vous vous portez super bien. Alors, je tiens à féliciter et à apprécier tout le travail que DMG vous a bâti, car ce que vous faites, vraiment, ça sensibilise beaucoup, beaucoup les jeunes. Et ça aide énormément de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont les yeux rivés sur les paillettes de la vie. Alors, si je suis montée aujourd'hui, je vous suis depuis très longtemps et si aujourd'hui j'ai décidé de monter, c'est pour raconter l'histoire qui est arrivée dans ma famille. L'histoire qui a touché mon cousin, père à son âme aujourd'hui. Alors, pour le passé, j'avais mon cousin qui, du côté maternel, qui était le premier enfant à ma tante. Alors, je veux l'appeler Merlin. Alors, mon cousin était quelqu'un de très bien, très humble, très famille, très protecteur. Et alors, sa maman vivant au village, ils avaient toujours eu l'habitude de venir à la capitale pour passer les vacances. Lui non, mais ses sœurs avaient l'habitude de venir passer les vacances chez nous, à la capitale. Alors, de son vivant, il était quelqu'un de très protecteur et de très serviable. Plus il grandissait, à un moment donné, il est devenu adulte. Il a donc fallu qu'il essaye de se caser et qu'il puisse avoir une femme. C'est donc comme ça qu'il a trouvé une épouse et ils se sont installés dans la capitale. Et je tiens à rappeler que mon cousin faisait la sculpture, on appelait ça quoi là? Voilà, les moulures. Il faisait les moulures et mettait des carreaux sur des immeubles blancs qu'il était en quelque sorte architecte, si je veux dire ça comme ça. Alors, dans son travail, il était très prometteur, très travailleur, il gagnait des contrats et tout. Il aidait sa maman avec ses frères et ses sœurs et tout cela. Étant installé ici à la capitale, vu qu'il avait trouvé son épouse, tout allait bien. Son épouse a mis au monde un premier enfant, un premier garçon. Et puis, elle est à nouveau tombée enceinte. Alors, ma maman, vu que c'est ma maman qui était à la capitale, et c'est elle qui avait le devoir et l'obligation de prendre soin des enfants de sa grande sœur, je tiens à rappeler que ma maman vient également d'un foyer polygamie. Et ma tante, qui est la grande sœur aînée de ma maman, était la femme, la fille de la première épouse à mon grand-père. Alors, quand cette femme était décédée, celle qui a élevé ma tante, c'est ma grand-mère. Donc, du coup, ma maman et sa grande sœur sont tellement fusionnelles. Et ma tante là également, elle s'est mariée au village dans un foyer polygamie. Et elle étant la première femme, son mari a eu d'autres épouses. Alors, mon frère est né là, mon cousin, autant pour moi, il a eu son
son mariage, il a eu sa femme avec sa petite famille. Et puis, quand il avait un souci, il venait toujours se confier à ma maman. Et quand il y avait un problème, peut-être qui dérange la santé, que ce soit mystique, c'est surtout ma maman qui était d'abord devant, avant que sa maman vienne après. Alors, des années passent, son épouse met au monde un premier garçon, puis elle tombe enceinte à nouveau. L'année du décès de mon cousin, ma maman, vu qu'elle vendait au marché à la capitale, elle se rendait chez ma grande sœur aînée. Et bizarrement, ma maman, c'est une personne vraiment très bizarre. Elle avait l'habitude qu'il y a des inconnus qui le croisent dans la rue et ils lui transmettent des messages comme ça. Et même des fous, en fait. Un fou peut s'arrêter et lui transmettre un message à ma maman. Alors, ma maman, elle se rendait chez ma grande sœur. À la fin du marché, à la fin de la soirée, quand elle avait fini de faire son marché, elle se rendait chez ma grande sœur. Alors, elle tamponne un fou. Le fou lui dit, oh, fais attention, voilà un danger. C'est à toi que je m'adresse, voilà un danger. Tu as un enfant qui va partir. On est en train de vouloir te prendre un enfant. Alors, fais très attention. Et ma maman, étant une personne qui a toujours eu la connexion avec ces personnes bizarres, une personne peut venir transmettre un message comme ça, alors elle ne prend pas la légère. Alors, elle est rentrée, elle a fait part, quand elle est arrivée chez ma grande sœur, elle a fait part de ce qui s'est passé chez ma grande sœur, puis elle a dit à ma grande sœur que non, il faudrait qu'elle aille vérifier chez quelqu'un. Alors, le matin, très tôt, elle est sortie, puis elle allait vérifier chez quelqu'un. Alors, le voyant a fait savoir que effectivement la personne qui est venue te transmettre ce message est l'un de tes ancêtres qui est en train de te dire que tu as un fils qui va décéder. Si on ne bloque pas rapidement ce qui risque de se passer. Alors, ma maman essaye de demander, elle essaye de demander, puis le traitant lui dit, il y a déjà un enfant qui ne vient pas de tes entrailles, qui fait dans le travail de charpentiste. Elle dit oui, c'est l'enfant de ma soeur. Elle dit oui, cet enfant, on est en train de vouloir le vendre dans la secte. Et il faudrait travailler aussitôt. Ma maman dit d'accord. Quand le traitant dit ça à ma maman, il dit, toi tu n'es que sa tante, tu n'y peux rien. La personne qui doit mettre la main pour qu'on puisse travailler sur l'enfant, c'est sa mère. Car toi tu n'es que la tante. Il dit d'accord, elle fera tout au possible pour que sa grande soeur puisse arriver, afin qu'on puisse faire le travail. Alors, un moment appelle au village, elle appelle ma tante, et elle met ma tante au parfum. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ma tante n'arrivait pas du tout à se lever et à venir à la capitale. Elle disait toujours, oui, je vais venir, c'est compris, il n'y a pas de problème, ainsi de suite. Et du coup, elle n'arrivait pas. Alors, ma tante, ma maman a appelé mon cousin, mon défunt cousin. Puis, elle fait comprendre que bon, j'ai besoin que tu te rendes à la maison dès que tu es libre. Il dit, ok maman, j'ai compris. Pour le moment, je suis un peu surmenée par le travail, mais le week-end, je vais arriver. Il dit, ok. Ma maman est rentrée dans ses occupations du marché et mon cousin de son côté était dans le travail. En même temps, ma maman continuait à appeler sa grande sœur au village pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Voilà le transport que je t'ai envoyé. Il faudrait que tu arrives à la capitale. Je t'ai dit qu'il y a un problème qu'il faut qu'on règle par rapport à l'enfant. Essaye de te dépêcher. Elle dit toujours oui, elle a compris, il y a un deuil ici, elle doit assister là-bas, après elle va arriver, nanana, ainsi de suite. Puis elle n'arrivait toujours pas. Alors, ma maman s'est rendue au marché le jour d'après qui a suivi. Pendant qu'elle est au marché,
Le téléphone de maman fait que sonner dans le sac. Vous savez, quand vous êtes au marché avec les bruits, c'est pas évident. Surtout que tu as un téléphone dans le sac, c'est pas évident d'entendre que le téléphone sonne. À un moment donné, elle s'arrête, puis elle prend le téléphone pour essayer de naviguer, de voir si elle a des appels manqués. Elle se rend compte qu'elle a au moins 19 appels manqués. Alors, elle décroche le téléphone. Aussitôt qu'elle voit, on relance l'appel à nouveau. Elle décroche. Oui, c'est vous, madame Tel. Oui. Bon, votre fils a eu un accident de travail et puis nous sommes en train de nous rendre à l'hôpital de la place. Elle a demandé l'adresse, on lui a donné. C'est donc comme ça qu'elle s'est rendue. Étant à l'hôpital, on les a transférés dans un endroit un peu plus grand. L'hôpital un peu plus grand. Alors, ma maman, elle a posé la question de savoir ce qui s'est passé. On a fait comprendre que il est quitté du 8e étage, puis il est tombé car il était en train de mettre les carreaux sur le mur de l'immeuble. Alors, il s'est fait mal à la tête. Il n'a pas eu des dommages, il ne s'est pas blessé, mais il était dans le coma. Il a eu une hémorragie interne, puis rien. Il était dans le coma. Alors, ma maman a appelé sa grande sœur. Elle a appelé mes grandes sœurs, ses sœurs qui étaient dans la capitale, ainsi de suite. Puis, elle a appelé sa grande sœur et dit, voilà, j'ai demandé que tu viennes pour l'enfant et maintenant voilà. Elle dit que sa grande sœur dit, ok, elle arrive. C'est comme ça que ma tante se déporte et vient à la capitale. Quand elle arrive à la capitale, le jour mon cousin avait fait l'accident comme aujourd'hui et le lendemain, vu qu'il faut tellement d'heures pour arriver à la capitale, le trajet est tellement long, elle est arrivée dans la nuit environ de 5 heures, ma tante à moi. Elle est arrivée dans la nuit environ de 5 heures, puis ma maman l'a laissé voir mon cousin et ensuite ils se sont rendus chez le monsieur en question qui devait travailler. Le monsieur a dit, bon, pour le moment, on a encore la chance et l'espoir de le récupérer. Il va venir travailler sur lui à l'hôpital. Mais par contre, vous devez tout faire afin que son papa ne puisse pas le voir jusqu'à ce qu'il guérisse. Avez-vous suivi mes instructions? Ma maman dit, il n'y a pas de problème. C'est donc comme ça que le traitant est venu à l'hôpital. Il a travaillé sur mon cousin et tout. Tout allait bien. Puis il a dit, il ne faudrait pas que son papa le voie. Ma maman a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Le traitant est parti. Alors, ma maman a également laissé les instructions au gardien de l'hôpital car il était du côté d'urgence, des urgences. Et là, il y avait une barrière pour entrer. Il fallait avoir un badge avant de se rendre dans la salle de malade. Puis, un de ces jours, mon cousin étant toujours dans le coma, mais ça s'améliorait déjà car le sang qu'il avait dans la tête, on avait déjà tout tiré jusqu'à ce qu'il faisait déjà quelques petits mouvements. Le médecin, le matin, le médecin vient faire la ronde, puis il a donné des médicaments qu'il fallait acheter, les instructions qu'il fallait à mon moment. Maman, j'ai d'accord, elle va acheter les médicaments. Elle a appelé mes soeurs. Tout le monde a essayé de collecter de l'argent, puis on a remis de l'argent à ma maman. Avant de partir, elle a encore laissé ses instructions au gardien. Il dit au gardien, elle lui a même remis de l'argent, il semble de 2000 francs au gardien. Elle a dit au gardien, s'il vous plaît, que personne n'entre ici dans la salle de mon fils et que personne ne sorte, je vous en supplie. Le gardien dit, non, maman, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà ma maman qui se rend à la pharmacie pour acheter les médicaments qui étaient prescrits et que le médecin avait prescrit. Quand elle se rend à la pharmacie,
De son retour de la pharmacie, elle vient, elle entre dans la salle et se rend compte que mon cousin ne respire plus. Elle s'interroge, elle pose des questions, elle vient, elle agresse et dit: mais pourquoi est-ce que mon fils ne respire plus? Elle a agressé le gardien, elle a demandé au gardien qu'est-ce qui s'est passé. Et tout le gardien dit: non, c'est pas ça. Oh, il y a un monsieur qui est venu ici et puis il a demandé à voir l'enfant et tout et tout et tout. Maman dit: quel monsieur? Il s'avère que le papa de mon cousin, son papa à lui, a quitté le village sans toutefois dire qu'il se rendait à la capitale. Il a quitté le village, il a fait genre, il allait juste dans le maquis en haut pour prendre un pot. Pourtant, il se rendait à la capitale. Il s'est rendu à la capitale. Quand il est arrivé à la capitale, il s'est rendu à l'hôpital en question de façon discrète. Il savait très bien où est-ce que mon cousin se trouvait. Il a soudoyé les gardiens avec une forte somme d'argent. Ils l'ont laissé entrer. Il a dit qu'il était le papa de l'enfant et qu'il était au village. Il n'était pas en santé. Et puis, il a soudoyé, il a remis de l'argent. On l'a laissé voir mon cousin. Alors, quand il est entré voir mon cousin, il a achevé ce qu'il avait à faire. Car, mystiquement, ils avaient déjà cherché à prendre mon cousin. Et comme le traitant était venu travailler, il avait contrecarré tout ce qu'il avait à faire. Et c'est la raison pour laquelle le traitant avait donné interdiction formelle à ce que son papa le voie, car s'il le voyait, il allait achever ce qu'il avait commencé. Alors, quand son papa est arrivé, il a fait ça, il est parti aussitôt. Aussitôt qu'il a fait ça, il est ressorti, il est retourné au village s'asseoir, comme si de rien n'était. Ma maman est donc restée ici, c'était dans le deuil, on a pleuré. Pleurer mon cousin jusqu'à aujourd'hui, moi je le pleure encore, père à son âme. On a tellement pleuré mon cousin, on a eu mal et je tiens à rappeler que sa femme est enceinte de leur deuxième enfant. On a tellement pleuré, ma maman avait tellement mal car c'était le seul enfant qui pouvait porter très haut ses frères et sœurs. Il était le seul qui pouvait faire en sorte que tout le reste des enfants de ma tante, demain, ils sortent des personnes bien et tout. Voilà donc, lui décidé, on a dit, bon, on va faire le deuil. Ma maman a dit, non, elle ne peut pas laisser ça comme ça. Elle ne peut pas laisser ça impuni. Alors, ils se sont rendus dans un village. Avant de se rendre dans un village, ils sont allés voir le traitant. Le traitant a dit, bon, il est décidé, il n'y a plus rien à faire. La seule chose à faire, c'est lui parler et faire certains rituels sur son corps, parler sur son corps afin que lui, il se lève et puis qu'il rende justice. Si vous avez tellement mal vu, lui, il ne peut pas faire ça, car il n'a pas les compétences acquises là-dessus. On dit ok. Et dans mon village, il y a des personnes quand vous êtes ensemble dans le même cercle de secte et tout, car vous faites le même métier et tout, vous vous mangez entre vous, les enfants, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas, quand il y a un truc, généralement on fait ce qu'on appelle l'autopsie pour voir qui a tué tel. On fait généralement l'autopsie pour voir. Et quand on sait que c'est elle, ils camouflent la chose. Soit ils peuvent dire que non, c'est l'enfant lui-même qui est parti tremper sa main. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et ma maman, connaissant déjà tout ce qui se passait, elle a dit, OK, ils vont gâter le corps de l'enfant. Ils vont gâter le corps de mon feu cousin. Ils sont partis. Il y a un traitant anglophone qui a dit, bon, madame, bon. On va essayer d'interroger l'esprit de ton enfant, mais il faudrait que tu restes calme. Ne pleure pas, car si tu pleures, il va disparaître. Et j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, il a appelé l'esprit de mon cousin. Il y avait une calebasse. D'après ce que maman nous avait expliqué, il y avait une calebasse pleine d'eau. Tu voyais les pas jaillir.
Puis, quand ça l'eau a été calme, le traitant a demandé à maman de poser des questions. A posé la question que, mais tu es où? À mon cousin. Mais où te trouves-tu? Dit non, je suis ici dans un champ. Nous sommes en train de travailler. Et vraiment, le travail n'est pas facile et tout. Maman dit, mais comment se fait-il que toi, tu t'es levé, tu es parti sans toutefois nous dire que tu partais? Non, c'est pas ça. C'est juste que papa est arrivé et il m'a mis la pression. Il a dit que non, je dois l'accompagner ainsi de suite. Donc, voilà le pourquoi. Je suis partie sans vous dire que j'allais à tel endroit. Mais je suis ici en train de travailler. Ma maman, tellement elle a eu mal, mal qu'elle n'a pas pu supporter, elle s'est mise à pleurer. Quand, aussitôt qu'elle s'est mise à pleurer, l'esprit de mon cousin, il a disparu. Ça, c'est ce que ma maman lui avait expliqué. Puis, le traitant a dit, bon, il peut travailler. Il ne va pas arriver le jour de l'enterrement. Mais il va donner les instructions que vous allez faire ce jour-là. Et les paroles que vous allez prononcer ce jour-là. Avec une poudre que vous allez verser ce jour. Aussitôt que vous aurez fini de parler, de faire tout ce qu'il faut, les gens seront partis, vous allez verser la poudre. Maman dit d'accord. C'est donc comme ça que le monsieur a travaillé et tout, puis il a remis une petite poudre à ma maman et à sa sœur. Ils sont partis, on a fait le deuil, elles sont restées, elles ont médité intérieurement. Et dans la méditation, elles ont dit, bon, te voilà qui est parti. Ta mort nous chagrine. Nous sommes très tristes parce que tu n'es plus des nôtres. Mais tu n'es plus des nôtres, pas parce que ton temps était venu, mais parce qu'on t'a écourté les jours sur terre. Si tu sais que ta mort n'est pas naturelle, lève-toi et revendique à la personne qui t'a écourté la vie sur cette terre ce qu'il te voulait jusqu'à ce que la personne avoue. Voilà ce qu'ils ont fait et puis ils ont versé la poudre. Quand ils ont fait ça, nous sommes rentrés. Et tout chacun est revenu à ses occupations, car sa mort faisait tellement mal. On a pris en charge sa femme, elle a dû rentrer au village, puis ainsi de suite. Quelques temps après, genre dans les 6 à 7 mois après, on entend des rumeurs qui viennent du village que le papa de mon feu cousin, ça ne va pas sur lui, il est malade. On dit, ah bon, s'il est malade, ça va, peut-être qu'il va guérir, rien de plus. Puis, dis-moi, on dit, il commence à délirer. On dit, et qu'il délirait comment? Il faut expliquer. Les rumeurs sortent du village que. Quand il s'assoit, il sursaute, il fuit, il va dans la chambre, même dans la nuit, il sursaute, ainsi de suite. Au point où il a fui le village pour se rendre à la capitale politique. Il a fui pour se rendre là-bas. Alors, quand il fuit pour se rendre là-bas, même là-bas, ça n'allait pas du tout. À un moment donné, même ceux qui vivaient avec lui trouvaient déjà ça pas possible. Les rumeurs ont commencé à sortir. On dit qu'il voit la présence de son feu-fils. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passait? Mon feu-cousin qui est décédé après ce que ma maman et les méditations qu'elles ont faites sur sa tombe, quand son papa était en train de manger, il apparaissait courbé sur les genoux de son papa. Il disait à son papa, papa, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu manges, moi je n'ai pas mangé. J'ai travaillé toute la journée. J'ai tellement faim. J'ai tellement faim. S'il te plaît, papa, donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Donne-moi à boire. J'ai soif. Regarde-moi. Je n'ai pas de vêtements. J'ai chaud. J'ai faim. J'ai froid.
J'ai soif. Tu es mon père. Essaye de te retourner et de prendre soin de moi car je suis ton fils. Il a dit ces paroles. Quand il dit ça, le papa, il se lève, il se saute et fuit, il va dans la chambre. C'était comme un film de Nollywood. Je vous assure, cette histoire était comme un film digne de Nollywood. Quand il est couché au lit et qu'il est en train de dormir, mon cousin vient au chevet, je lui dis, papa, comment peux-tu dormir quand moi je ne dors pas? Je travaille nuit et jour, je n'ai pas de repos, je n'ai pas de sommeil. S'il te plaît, papa, trouve-moi un endroit où je vais dormir. Trouve-moi un endroit où je vais dormir. Il fuit, en pleine nuit. Ça avait commencé au village. Il était au village, vous savez très bien qu'au village, il n'y a pas de lumière et tout. Car il y a certains villages qui ne sont pas encore développés en Afrique. Il n'y a pas de lumière, il faut les lampes et tout pour marcher avec. Il fuit, il saute, il sort du lit, il s'en va dehors, il se met à crier, il réveille les gens. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand les gens accourent et qu'ils viennent vers lui, il reste tranquille, il reste serein, il ne dit rien. À un moment donné, c'était devenu de trop. Il n'arrivait plus à supporter. Et à un moment donné, il a commencé à délirer. Et les gens entendaient. Et c'est comme ça que les nouvelles allaient partout. Et c'est entré dans les oreilles de ma mère et entré dans les oreilles de ma tante ainsi que ses enfants. Alors, quand son papa a constaté que c'était déjà grave, il ne pouvait plus, il a dit, bon, c'est mieux qu'il retourne au village, car si la mort veut le prendre mieux, il décède là-bas. Mais avant, il voulait se confesser. Il a donc rassemblé certains membres de la famille. Il a rassemblé certains membres de la famille, puis il s'est confessé. Il dit, bon, la mort de son fils, c'est lui. Il avait essayé de prendre son fils, mais ça a raté. Ce n'était pas achevé. Il a constaté que la personne avait travaillé. Il a voyagé du village pour la capitale pour aller achever et finir sa mission. Car s'il ne faisait pas ça, c'est sa tête qui allait passer. Et qu'on l'avait trompé ainsi de suite. La famille a dit, quoi? Quoi? Dois tu délirais? On te prenait en charge, on prenait soin de toi et tout et tout et tout. Pourtant, c'est toi la cause de la mort de ton fils. Non, mais c'est pas croyable, c'est pas possible. Comment, pourquoi? C'est donc comme ça qu'il a dit que non, qu'il aimerait partir en paix parce que vivre comme ça. Et je tiens à rappeler qu'il a vécu ce karma pendant pratiquement un an, peut-être 3 mois, 1 an, 2 mois. Car il forçait, il voulait pas parler. Bon, à un moment donné, il est décidé. Quand il décède, tellement mon cousin l'a fait vivre le cauchemar de sa vie, qu'il a fini par donner son dernier soupir. Et en donnant son dernier soupir, il a demandé pardon à son fils. Mais il est décédé. Maintenant, quand il mourait, il n'avait pas dit qu'il avait également écrit le nom de 4 de mes cousins qui sont également les enfants des entrailles de ma tante dans le secteur là-bas. Il n'avait pas dit ça. Il est mort sans rien dire. Puis, ma mère était tellement... C'est vrai que la mort de quelqu'un, on ne doit pas s'en réjouir, mais c'était... comme pour dire que oui, c'est bon, enfin une justice divine, ainsi de suite. Alors, voilà que la vie a repris son chemin. À un moment donné, on entend que mon cousin qui est toujours le fils de ma tante, est introuvable. On ne le trouve pas. Et certaines personnes, il y a des rumeurs, on l'a cherché après 3 jours. Certaines personnes disent qu'on l'a vu en train de patrouiller dans des poubelles, des bidonvilles et tout.
On dit, mais quoi? On a demandé où est-ce qu'il se trouvait. On l'a récupéré. Quand on l'a récupéré, on a essayé de le traiter. Les traitants chez qui on allait n'étaient pas bons. Un matin, ma maman sort, elle rencontre un autre fou. Donc là, c'était pas un fou qu'on va dire que lui, il marchait dans la poubelle pour mendier, non. C'était un fou qui. La personne n'avait pas toutes ses facultés normales. Mais par contre, il prenait soin de lui. Et quand tu le voyais, tu ne pouvais pas forcément savoir que c'était quelqu'un qui était fou. Tu sentais que c'était une personne qui, les ancêtres, demandent à ce qu'il accepte de pratiquer ou bien d'être traitant. Et lui, il refuse, il résiste. Alors, cette personne s'est avancée vers ma mère, il a dit. Tu as un fils qui est décédé. Si ce n'était pas lui qui était là, c'est que celui-ci qu'on est en train de mettre la folie sur lui, il serait déjà parti. Alors voilà que celui-là a contrecarré au point où ce n'est que la folie qui a pu atteindre son frère. Et il faudrait travailler très rapidement avant que le pire ne se prononce. Alors, maman a compris ça aussitôt. Elle a laissé tout ce qu'elle avait à faire. Elle a allé récupérer sa soeur au village car elle savait déjà que, avec tout ce qui se passe quand il y a des situations et quand on dit à sa soeur de faire ceci, on l'attache puis elle reste sur place, elle fout rien. Elle a donc pris sa soeur. Ils se sont rendus dans la ville politique où se trouvait leur autre petite soeur chez qui l'autre garçon vivait. C'est donc comme ça qu'on l'a récupéré. On est allé le traiter et tout. Pendant qu'on le traitait, le monsieur chez qui on l'a traité, car le fou avait dit à mon maman qu'il va falloir chercher un monsieur du nom de tel, c'est lui qui va pouvoir le soigner. C'est donc comme ça qu'ils ont cherché dans toute la capitale politique. Ils sont tombés sur quelqu'un qu'ils connaissaient et la personne a pu le soigner. Puis la personne a dit que le papa avait écrit le nom de ses quatre autres enfants et qu'il faut travailler continuellement sur ces enfants-là, sinon ils vont y passer. Et au jour d'aujourd'hui, on continue toujours à combattre cela. C'est vrai que c'est pas facile, mais on continue à combattre cela. Et la personne qui était censée parti à la place de mon faux cousin qui était décédé, c'était le fils de la couépouse à ma tante. Ça veut dire que la couépouse à ma tante était dans le même cercle de secte avec son époux. Et étant dans le cercle, ils avaient déjà tellement mangé les enfants des autres que c'était venu le tour pour eux de livrer une personne, le tour pour le mari de livrer une personne. Alors la personne qu'il avait choisie était plutôt le fils de la coépouse. Quand la coépouse a constaté que c'est son fils que son mari avait mis, vu que son pouvoir et sa position dans la secte étaient au-dessus de celle de son mari, elle a inversé les rôles et puis c'est mon cousin qu'elle a mis à la place. C'est donc comme ça que mon cousin, il est décédé. Alors, je tiens tout simplement à dire que dans cette vie, nous devons vraiment prendre en compte ce que nous disent certaines personnes. Tu peux croiser un inconnu aussi sale et aussi malade qu'il pourrait être devant toi, ce qu'il dit est vrai et pertinent, car si ce fou n'avait pas transmis cette information à mon maman, elle n'aurait jamais su à temps que son petit-neveu allait subir une telle tragédie. Et si elle également s'était levée comme elle s'est levée pour le second tour par rapport au petit frère de mon cousin pour aller chercher sa grande sœur,
notre village, tout cela ne serait pas arrivé. Ça veut dire que dans la vie, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Quand il y a une situation, il faut tout faire pour éviter le pire. Au jour d'aujourd'hui, nous regrettons amèrement le décès de notre cousin. Voilà que mes cousines et ses petits frères, ses petites sœurs, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir finir leurs études comme il fallait. Chacun aujourd'hui est juste débrouillard, essaye de se battre pour joindre les deux bouts. Mais ils sont en vie. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on n'y peut rien. Il était la seule personne qui pouvait vraiment, il était vraiment la seule personne, l'étoile de sa famille. Il était la seule personne qui pouvait envoyer tous ses frères, que ce soit ses frères de même mère ou ses frères consanguins. Il était la seule personne qui pouvait les envoyer plus loin. Mais malheureusement, la méchanceté de certaines personnes dans la vie a fait qu'il n'est plus de ce monde. Alors c'était mon histoire, j'en ai encore tellement d'autres. Désolée d'avoir été tellement longue, car c'est comme ça. Et je tiens vraiment à ce que tout le monde essaye de commenter, partager, abonnez-vous. Et si vous avez des histoires, s'il vous plaît, racontez, car toutes ces histoires aident énormément. Ça aide énormément. De surcroît, merci DMG pour tout ce que tu fais pour la communauté et bon courage à toi. J'espère que l'Éternel te donnera toujours de la force pour pouvoir et continuer ce que tu fais et mener à bien ce projet. Car nous, la communauté qui te suivons, on te donnera assez de force pour pouvoir faire grandir cette communauté et sauver tellement de vies. Merci pour ce que vous faites. Bonne soirée ou alors bonne journée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On poste tous les jours sur YouTube, Facebook, TikTok, sur la chaîne DMG TV. Voilà, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.